الضاوي العربي سقط شهيدا في مظاهرات 14 جوليا 1953 بباريس وهو يحمل الراية الوطنية. دفن في مسقط رأسه بتيوت بولاية النعامة وسط تعتيم إعلامي وإجراءات أمنية مشددة، ودفنت معه كثيرا من الأسرار. هذا الشهيد ورغم تضحياته ابتلعه النسيان وغابت بطولاته عن ذاكرة الأجيال، وكأن القدر أراده أن يسقط في ديار الغربة ويظل غريبا حتى بين أهله وإخوانه. ورق حول الشهيد في تقرير مراسلنا عبد القادر الأسهل. نحن الآن في مقبرة سيدي موسى بتيوت، حيث ينام الشهيد الضاوي العربي المولود في سنة 1924 بتيوت، والمتوفي في سنة 1953 بفرنسا إثر مظاهرات قام بها هو وزملائه. هو الضاوي العربي أحد الوطنيين الأحرار، تشبع بالوطنية حتى النخاع، ترعرع بالعين الصفراء بولاية النعامة، أبان عن شجاعة وذكاء فائق وطموح خارق. مي كان يخدم عند مين جا من تيوت، وكان يخدم عند لا فامي سيمونا لوتيل سيمونا. هذا الضاوي العربي كان هنا في واحد النوتير سيد اوتيل، وين هودو له الصباح يشري لنا الصوالح ريفيتايمون طلع لعند امه. كنا يتامى على غالب، كان هو الكبير ومساعدنا الله يرحمه برحمته. الضاوي العربي تاق به المكان فراح يتجول شمالا وجنوبا في بحث مستمر عن تحقيق أهدافه. فضوله رمى به إلى الشرق الأوسط، لكن القدر أرجعه إلى وطنه ومنه إلى فرنسا. من 1948 إلى اللوداس إلى الكوراج دي سانسكرير إدالي دي سبورت فولونتير لفلسطين. باريس التي استقر فيها الضاوي العربي فتحت له آفاقا في النضال بين أبناء الحركة الوطنية. سيتي ميليتون، إلي تي ميليتون بي بي أ، ومن بعد ولا ميليتون إم تي إل دي. أنا عارف بلي إلي تي إمبريني دو ناسيوناليزم، عنده كان عنده ميصالي هو اللب، هو أونفيرتو. شاء القدر أن تنتهي رحلة الشهيد برصاص البوليس الفرنسي في 14 جويلية 1953، حين تظاهر سلميا وهو يحمل الراية الوطنية التي أقلق تواجدها وسط المتظاهرين والمحتفلين الفرنسيين من تشبعوا بالحقد على الجزائر وأبنائه.
le 14 juillet, la CGT elle a organisé un défilé. Où ils ont les Nord-Africains. Ils ont libéré Messali. Où Hada Daouil Arbi en tête avec le drapeau algérien. Il a été tué. رحل الرجل وهو يحمل كثيرا من الأسرار ولا تزال بصماته ونضاله مجهولة إلى يومنا هذا لدى الكثير من الناس. بغي نقول لكم حاجة. Pour moi, Daouil Arbi c'est le premier martyr تاع le sud oranais. Malheureusement, حتى واحد ما يعرفه ورانا مستقلين. Je fais appel دروك أنا la population et en même temps les autorités. Les autorités ne savent pas. C'est la population qui est responsable. Pourtant, c'est un héros. Non, je ne savais pas que le 14 juillet 1953, j'allais, alors que j'avais décidé d'aller au bal, place de la Nation, à la Bastille, je ne savais pas que je risquais de perdre la vie. C'était la fin du cortège, du défilé de la gauche française, syndicaliste. Et on s'avançait vers la place de la Nation et on avançait sous les applaudissements des Parisiens qui étaient absolument surpris de voir l'organisation efficace. Nous avancions très dignement. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Il y avait une dignité et une volonté de reconnaissance. En arrivant, qui a déclenché le... C'est le drapeau. C'est à cause de le drapeau ça commence à chauffer. Et la police et le manifestant. On ne s'attendait pas à ça. On est venu dans une manifestation pacifique pour la liberté. Ah oui, c'était comme ça, c'était les escaliers, mais il n'y avait pas de tapis. Et alors vous êtes monté où ? En haut ? Jusqu'au dernier étage, ils nous ont poursuivis jusqu'au dernier étage. Et on pensait qu'on était à l'abri, mais... Moi, j'ai vu deux choses dont je me souviens très bien. C'est qu'un jeune Algérien avait reçu quelque chose là, et ça a pissé le sang. Alors, parce que c'était à l'époque, c'était pas bon. Ça m'avait vraiment impressionné. Et puis, j'ai vu aussi un Français qui avait reçu une balle, et le sang coulait, un filet de sang coulait comme ça, en jet. Par saccade. Donc, je sais maintenant qu'il avait eu une blessure artérielle, par une balle aussi. Alors c'est la prière de l'absent. Je vous remercie beaucoup d'avoir sorti de l'anonymat mon frère Mohoub qui est enterré ici depuis 59 ans. Depuis 59 ans qu'il est enterré ici. Personne ne savait qu'il est enterré ici, qu'il est mort à Paris, en plein centre de Paris, alors que au 1er novembre 54, personne ne savait comment est fait le drapeau algérien. Votre maman, elle n'a jamais eu d'indemnité. Elle n'a jamais eu de pension. Jamais rien. On ne lui a jamais donné aucun sou, ni le décès, ni le... Non. Là, elle m'a appris un an après. Après une année, ils l'ont annoncé le décès. Et après, c'est là qu'il a commencé.
Parce qu'elle était malade. Elle était handicapée. Mais sa mère, il n'a rien reçu. Jamais, jamais, rien, aucun sou. Ni le décès, ni le... Mais la capitale de décès, mais rien. Voyez, je vais vous lire un petit extrait qui a été écrit par mon frère le 21 septembre 1995, qui est passé dans l'Humanité dimanche dans une critique. Il avait écrit le 14 juillet 1953 à 16h06. La police a assassiné 7 travailleurs, place de la Nation. Parmi eux, mon père, Maurice Lureau, 40 ans, membre du Parti communiste adhérent à la CGT. C'est une balle au cœur. Tirée pourtant par un policier qui nous l'a enlevé. J'avais 17 ans et chaque année, alors que chacun danse, c'est les larmes aux yeux que je cherche un mot qui réchauffe dans l'Humanité dimanche. Chaque année, mon père est de nouveau assassiné par les camarades, par l'oubli. Et c'est vrai. Alors, je remercie vivement la mairie de Paris pour avoir eu cette volonté de marquer d'une empreinte ce massacre oublié en dévoilant cette plaque à la mémoire de toutes ces personnes tuées sans justice et à tous ces blessés qui n'ont jamais eu de reconnaissance. Même si je ne comprends pas bien pourquoi cette cérémonie a lieu un 6 juillet au lieu d'un 14 juillet. Je remercie également Nicolas Bonnet-Houlalge qui a été à l'origine du vœu déposé au sein du Conseil de Paris. Enfin, je remercie vous tous qui êtes venus ici, et en particulier les familles des victimes de ce massacre. Elles sont assez nombreuses, surtout celles et ceux qui sont venus spécialement d'Algérie. Voilà. En faisant ce film, Les balles du 14 juillet 1953, puis le livre qui porte le même nom, je n'ai jamais cherché à orienter mon travail dans un esprit de culpabilisation ou de repentance. Ceci étant dit, ce massacre est pour moi le symbole même d'un problème majeur de notre société. Pourquoi? Parce qu'en 1953, il n'y avait pas de guerre d'Algérie, elle a commencé le 1er novembre 1954. Il n'y avait donc aucune justification, entre guillemets, pour tuer des gens qui défilaient pacifiquement. Justifications qui ont eu lieu plus tard, lors des répressions sauvages par la police de Paris dirigée par M. Maurice Papon, le 17 octobre 61 ou le 8 février 1962 au métro Charonne. Non, le 14 juillet 1953, il n'y avait rien de tout cela. Et pourtant, il y a eu ici, là, c'est juste là, en face, là, et là, autour de là, et surtout en face. Il y a eu 7 morts, et j'ai réussi à retrouver la liste de 50 blessés par balle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un vrai carnage. Ce drame confirme dans la tête d'un certain nombre de nos contemporains et de certains policiers qu'un individu n'a pas la même humanité, la même valeur qu'un autre. Ce drame, donc, nous questionne sur notre rapport à l'autre, à celui qui n'est pas comme nous ou qui fait partie d'une minorité. Hélas, cette question est toujours d'une brûlante actualité et nous oblige aussi à réfléchir au rôle de la France coloniale et à la colonisation en général. Enfin, pour terminer, je dirais que cette histoire est importante parce qu'elle s'est déroulée un 14 juillet, jour de la fête nationale, où la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, a été tachée de sang. En effet, ce jour-là, il n'y a pas eu de liberté, car on a tué en plein jour et sans sommation. Il n'y a pas eu d'égalité, car la justice
n'a pas été rendu, mais remplacé par une manipulation d'État. Il n'y a pas eu non plus de grande fraternité, il y en a eu un peu quand même, car il y a eu peu d'entraide et aucune reconnaissance officielle du sort tragique des victimes avant cette première reconnaissance, 64 ans après les faits. Ces morts et ces blessés nous rappellent qu'il ne suffit pas de clamer les belles valeurs de notre République, mais que nous devons les faire vivre dans notre quotidien et dans nos actes. Alors, je remercie vivement la mairie de Paris pour avoir eu cette volonté de marquer d'une empreinte ce massacre oublié en dévoilant cette plaque à la mémoire de toutes ces personnes tuées sans justice et à tous ces blessés qui n'ont jamais eu de reconnaissance. Même si je ne comprends pas bien pourquoi cette cérémonie a lieu un 6 juillet au lieu d'un 14 juillet. Je remercie également Nicolas Bonnet-Houlalf qui a été à l'origine du vœu déposé au sein du Conseil de Paris. Enfin, je remercie vous tous qui êtes venus ici, et en particulier les familles des victimes de ce massacre. Elles sont assez nombreuses, surtout celles et ceux qui sont venus spécialement d'Algérie. Voilà. En faisant ce film, Les balles du 14 juillet 1953, puis le livre qui porte le même nom, je n'ai jamais cherché à orienter mon travail dans un esprit de culpabilisation ou de repentance. Ceci étant dit, ce massacre est pour moi le symbole même d'un problème majeur de notre société. Pourquoi ? Parce qu'en 1953, il n'y avait pas de guerre d'Algérie, elle a commencé le 1er novembre 1954. Il n'y avait donc aucune justification, entre guillemets, pour tuer des gens qui défilaient pacifiquement. Justifications qui ont eu lieu plus tard, lors des répressions sauvages par la police de Paris dirigée par M. Maurice Papon, le 17 octobre 61 ou le 8 février 1962 au métro Charonne. Non, le 14 juillet 1953, il n'y avait rien de tout cela. Et pourtant, il y a eu ici, là, c'est juste là, en face, là, et là, autour de là, et surtout en face. Il y a eu 7 morts, et j'ai réussi à retrouver la liste de 50 blessés par balle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un vrai carnage. Ce drame confirme dans la tête d'un certain nombre de nos contemporains et de certains policiers qu'un individu n'a pas la même humanité, la même valeur qu'un autre. Ce drame, donc, nous questionne sur notre rapport à l'autre, à celui qui n'est pas comme nous ou qui fait partie d'une minorité. Hélas, cette question est toujours d'une brûlante actualité et nous oblige aussi à réfléchir au rôle de la France coloniale et à la colonisation en général. Enfin, pour terminer, je dirais que cette histoire est importante parce qu'elle s'est déroulée un 14 juillet, jour de la fête nationale, où la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, a été tachée de sang. En effet, ce jour-là, il n'y a pas eu de liberté, car on a tué en plein jour et sans sommation. Il n'y a pas eu d'égalité, car la justice n'a pas été rendue, mais remplacée par une manipulation d'État. Il n'y a pas eu non plus de grande fraternité, il y en a eu un peu quand même,
car il y a eu peu d'entraide et aucune reconnaissance officielle du sort tragique des victimes avant cette première reconnaissance, 64 ans après les faits. Ces morts et ces blessés nous rappellent qu'il ne suffit pas de clamer les belles valeurs de notre République, mais que nous devons les faire vivre dans notre quotidien et dans nos actes. Nous allons à présent observer ensemble une minute de silence en mémoire des victimes. Aux victimes.